occupez pas de mon permis, il est bien, je le garde comme ça depuis 1955 et je l'ai eu du deuxième coup. Conduite Senior Restez Mobile, c'est un programme destiné aux seniors, aux retraités de toute caisse, animé par des services civiques ou animateurs bénévoles de la prévention routière. Les conducteurs seniors ne sont pas plus accidentogènes que les autres. Contrairement, rien ne remplace la prudence et la sûreté des conducteurs, la senior. Rien ne les remplace. La dernière fois, vous avez vu, le thème, c'était les distances d'arrêt, distances de sécurité. La voiture, le temps que vous appuyez sur le frein, une seconde. Et puis après, il faut l'arrêter. Vous aurez parcouru 70 mètres avant d'être arrêté complètement. Notre population senior augmente tous les ans. Plus de 65 ans seront majoritaires en 2030 et qu'il s'agit de leur donner toutes les chances d'être autonomes le plus longtemps possible. On part d'un constat. Ne plus conduire ou ne plus oser conduire, ça complique le quotidien, particulièrement au milieu rural, mais ça participe également à l'isolement social. C'est le premier test, voilà. C'est un programme qui comprend 6 séances thématiques hebdomadaires pour tester ses connaissances, tester ses réflexes, sa conduite. Recevoir des conseils, sont proposés des quiz, de la théorie, des ateliers pratiques, réactiomètre, vidéotest, simulateur de conduite, et des conseils sont prodigués. Non, attends, je vais aller doucement là. Là il vous l'avait fait conduire sans voiture. Hein. Oh, c'est pas moi, je vous écrase. C'est vraiment, c'est des contrôles. Ah, roulé à droite sur l'autoroute. Il n'y avait pas de place. Ouais. Oh. Ah. Ça, c'est pas bien. Fou. Pas assez de formation. Le but est d'aider à conduire le plus longtemps possible et en toute sécurité. Quand on a le permis depuis 40-50 ans, il est bon de faire un peu de remise à jour. Quoi. Puis, ce qui était bien aussi, c'est les ateliers pratiques, effectivement, pour tester ses réflexes, la vue, tout ça. De rafraîchir un peu tout ce qu'on faisait ou faisait mal, donc et c'est bien. La convivialité fait partie intégrante du programme. On est là aussi pour rompre avec l'isolement social, pour créer du lien social. Peut-être là la meilleure des préventions.